Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur l'histoire des Pandarennes ainsi que la suite de celle de Shaohao. Qu'en est-il pour la Pandarie après justement la création des brumes de Pandarie? Nous avons vu sur la vidéo précédente que justement avec le sacrifice de Shaohao, je rappelle le dernier empereur de la lignée impériale Pandaren, qui regroupe d'autres empereurs, pas que Pandaren, je vous laisse revenir sur l'autre vidéo. Des millénaires vont s'écouler, du coup on en avait parlé à la toute fin et on va continuer tout simplement, puisque des millénaires vont s'écouler, on rappelle que c'est à la période de la guerre des anciens, donc 10 000 ans avant l'ouverture de la porte des ténèbres, donc avant Warcraft 1 en gros. Je fais une vidéo sur la chronologie aussi si ça peut vous aider, même si bon là on est tranquille, on va pas partir extrêmement long, on va rester sur une période principale. Et au final, pendant les millénaires qui vont s'écouler, la Pandarie restera paisible, cachée aux yeux du monde, puisque justement eh bien, les brumes recouvrent la Pandarie, empêchant tout quiconque d'y pénétrer. Et au final, il y a vraiment les trolls Zandalar bien sûr qui ont connaissance de ce qu'est la Pandarie, mais ils n'arrivent pas forcément à la retrouver avec les brumes. Et ensuite, derrière, on a tout simplement, la plupart, même les Pandarennes de leur côté, pensent que le monde est détruit. Donc, aucune raison de s'aventurer hors des brumes, tout simplement. Donc, au final, eh bien, c'est Shaohao qui va justement permettre de protéger le cadre de la Pandarie. Et comme on l'a dit précédemment, la disparition de Shaohao en tant que dernier empereur a pas mal chamboulé, j'allais dire, le système politique, l'écosystème politique, c'est pas vraiment de la Pandarie, avec justement... Eh bien, un système qui était très centralisé avec un empereur et un empire, eh bien, qui va se décentraliser petit à petit. On n'était pas forcément rentré dans le détail, donc là on va rentrer un peu plus dans le détail, mais il va y avoir un changement de politique assez... Enfin, pas forcément un changement de politique pure, mais c'est surtout la manière dont est administré le pouvoir qui va radicalement changer. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant, parce que c'est pas forcément des détails qu'on a dans l'histoire de Warcraft. C'est pas toutes les nations qui peuvent nous permettre d'être aussi détaillées. Là, on a vraiment l'impression d'être... d'être dans l'administratif à fond. Alors je sais que l'administratif c'est pas forcément toujours très sympathique, mais là eh bien c'est vachement intéressant d'un point de vue politique aussi, puisque on passe d'un système, donc comme je l'ai dit, centralisé vers la décentralisation, c'est-à-dire un pouvoir plus local, plus localisé, avec tout simplement un renforcement du pouvoir rural. Donc en gros, avant il y avait la capitale, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on ne sait pas où était la capitale Pandaren. On suspecte le fait que ce soit le Val de l'Éternel Printemps, parce que c'était l'endroit, c'était la capitale, on va dire, c'était la capitale des Mogu. En tout cas, les Mogu servaient énormément du Val de l'Éternel Printemps comme capitale, notamment lors de la révolte Pandaren. On sait que de son vivant, Laïchen, c'était tout à l'ouest au niveau de l'île du Tonnerre, mais à l'époque, l'île du Tonnerre n'était pas encore une île. Mais au final, on sait aussi que les empereurs, ils changeaient de capitale souvent, donc on ne sait pas vraiment où était, déjà, même la capitale de l'Empire Mogu n'était pas forcément fixe, donc... Côté Pandaren, on a encore moins de réponses, même si c'est vrai que les Pandaren se sont pas mal greffés sur le système des Mogu, en tout cas sur l'ancien système et sur les anciens lieux. La plupart des sites sacrés Mogu ont été restaurés et réhabilités par les Pandaren, c'est ce qui fait d'ailleurs que la plupart de l'architecture Pandaren au final est Mogu. Donc quand je parle, c'est les grands monuments, bien sûr, parce que les maisons Pandaren, elles, bien sûr, sont différentes. Et d'ailleurs, ça se voit aussi au niveau architectural. Donc là-dessus, c'est assez intéressant. Par contre, les Pandaren ne vont pas restaurer tous les sites Mogu, ce qui fait que certains vont tomber en ruine, comme on peut le voir dans le jeu World of Warcraft. À côté de ça, donc, on va avoir, avec ce système de ruralité, eh bien, on a tout simplement les maires qui vont prendre de plus en plus de pouvoir, donc plus d'empereurs. Donc vraiment, chaque ville va avoir son système de maire, et le maire a... beaucoup de pouvoir au sein de la ville, mais ce qui est intéressant c'est que déjà les Pandaren ne sont pas forcément de nature violente, comme on l'a vu aussi avec Shaohao. Les Pandaren doivent énormément intérioriser et surtout ne pas succomber, on va dire, à toutes les pulsions, du coup sinon ils seraient victimes du chat. Donc ce qui fait qu'il y a quand même, le système fonctionne plutôt bien. On pense aux autres d'abord, puisqu'on est vraiment sur du micro-social, j'ai envie de dire, on n'est pas sur l'ensemble du pays, etc. Chaque ville va avoir son truc et il va y avoir des échanges économiques entre toutes les villes, enfin toutes les villes et villages d'ailleurs, parce que toutes les villes Pandaren ne sont pas extrêmement grandes. Et il va y avoir des factions indépendantes qui vont émerger en plus, bien sûr, du système de mairie, qui fonctionne très bien. Donc en plus des municipalités, on a tout simplement des ordres qui vont veiller un petit peu sur le reste de la Pandarie, ou organiser tout simplement soit les échanges commerciaux, soit les échanges, enfin tout type d'échange. Donc on va pas être exhaustif, on va faire un listing et c'est possible que plus tard, si jamais Blizzard se réintéresse au sujet, peut-être qu'ils recréeront de nouveaux ordres. Mais on a par exemple l'ordre des Pandachan, hein, comme vous le voyez ici, hein, les ninjas Pandaren, qui sont là pour veiller sur le mur, hein, et être tout simplement les... On l'a vu avec la vidéo de Shaohao, hein, être ceux qui vont veiller sur la Pandarie, hein, protéger la Pandarie de la menace Manti, de la menace Mogu, de la menace Sorok, de la menace du chat bien sûr. Donc, et même... Mais le truc, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, même si on pourrait dire que c'est un peu les super-héros de la Pandarie, eh bien ils ne sont pas au-dessus de l'autorité du maire. Donc par exemple, si les Pandachans sont en mission près d'un village ou d'une ville pandaren, eh bien il va y avoir un rôle de consultation autour du maire. Donc le maire va, en gros, il va y avoir une sorte de lien qui vont se créer avec le maire qui va valider ou non les actions des Pandachans locaux, mais généralement il n'y a pas de paralysie, on va dire, au niveau du système, avec un maire qui dirait vous vous barrez. Globalement, l'entente est plutôt cordiale, il y a un gros respect de la part des maires et des villageois à l'égard des Pandachans, hein, qui sacrifient leur vie pour protéger leurs concitoyens. Donc bon, il y a un énorme respect. Et de l'autre côté, les Pandachans ne veulent pas ingérer dans le pouvoir du maire. Donc il y a vraiment ce lien, enfin ces deux mains qui se regroupent, on va dire. À côté de ça, on a l'ordre des chroniqueurs, comme on l'avait vu justement avec le premier chroniqueur qui date de tout simplement la période de la révolte pandaren, et du coup les chroniqueurs ont aussi un statut très particulier, gardiens du savoir, également ceux qui vont, c'est principalement des gardiens du savoir, mais c'est aussi ceux qui vont amener, on va dire, tout le côté lettré, on va dire, hein, au reste des Pandaren, au reste de la population. L'ordre du serpent nuage, hein, qui est un petit peu à l'image des Pandachans, où ça suffisait, enfin, Pandachan n'existait pas à l'époque, mais l'ordre du serpent nuage, comme avant on avait les moines, et certains moines vont devenir les Pandachans par la suite, l'ordre du serpent nuage, en ayant protégé la Pandarie, a aussi un statut un peu privilégié lors de l'invasion Zandalari, comme on l'avait déjà vu. Au final, eh bien, ils ont leur propre code, leur propre temple, leur propre gestion en fait, hein, justement aussi une sorte de milice, hein, c'est une sorte de milice tout simplement, qui va protéger principalement la forêt de Jade, et qui va surveiller, on va dire, l'est de la Pandarie. Ce qui fait aussi que la forêt de Jade est l'un des endroits les plus, je dirais... tranquille, parce que justement il y a à la fois les Pandachans et en plus de ça on a l'ordre du serpent nuage, et qui en plus peut élever tranquillement les serpents nuages, etc. En osmose, en harmonie avec les animaux. Lotus Doré, le Lotus Doré qui existe depuis un moment, mais le Lotus Doré c'est quoi? C'est tout simplement un ordre. Alors pour le coup, le Lotus Doré c'est vraiment une milice qui est là pour protéger le Val de l'Éternel Printemps. Un petit peu encore une fois, donc, quand on le disait, hein, dans la continuité par rapport à la défense Mogu, eh bien le Lotus Doré est là pour défendre le Val de l'Éternel Printemps. Quand les Pandachans sont un petit peu pris à la gorge, donc en fait c'est une milice qui n'est pas forcément fixe, ça peut arriver, ça peut repartir, elle se crée quand il y en a besoin. En tout cas c'est principalement centralisé sur le Val de l'Éternel Printemps, hein. Val de l'Éternel Printemps est un endroit très important pour les Pandaren, comme pour les Mogu bien sûr. Du coup le Lotus Doré, généralement il est même un peu encadré par les Pandachans, c'est un peu particulier le statut, puisque certains Pandachans font partie du Lotus Doré, mais le Lotus Doré ne fait pas partie des Pandachans. Je sais pas si la nuance est claire, mais en gros, donc, des Pandachans peuvent organiser un petit peu le Lotus Doré, mais le Lotus Doré, l'idée c'est vraiment d'être volontaire, c'est une milice, tout simplement. Et ensuite on a les guildes, on a les guildes avec par exemple la guilde des laboureurs. Les laboureurs c'est tout simplement ceux qui vont s'occuper des récoltes, donc c'est en gros une guilde marchande, moi j'appelle ça une guilde, mais c'est tout simplement une coopérative, un regroupement en fait de commerçants, d'agriculteurs, etc. qui vont essayer de s'entendre sur les prix, etc. concernant la plupart des marchandises agricoles. On a également les hameçonneurs qui sont pareils, hein, c'est une guilde, également une coopérative, mais cette fois centralisée autour de la pêche au lieu de l'agriculture. Donc pour permettre, voilà, que aucune ville soit laissée un petit peu pour compte, etc. Et on en a probablement d'autres, par exemple, pourquoi pas une guilde de chasseurs, etc. mais on n'en sait rien. Donc à l'heure actuelle c'est tout ce que l'on connaît. Au niveau des grands ordres, si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas. Le but n'est pas forcément d'être exhaustif, c'est juste de vous faire comprendre que c'est plein d'entités qui travaillent, qui collaborent ensemble. Et en fonction des différentes activités de la vie quotidienne. Mais encore une fois, il n'y a pas d'armée centralisée. Les Pandachans sont ce qu'on pourrait évoquer être une armée, mais ils ne sont pas assez nombreux pour être une véritable armée de métier. Donc... Des millénaires vont s'écouler dans ce système hein, que je viens de décrire, et la Pandarie, encore une fois, sera relativement paisible. Alors attention, quand on dit relativement paisible, j'en ai déjà parlé aussi dans la vidéo précédente, mais je préfère le dire deux fois pour bien le comprendre. Quand on dit relativement paisible, ça veut pas dire qu'il s'est rien passé en mode tout est cool. Il y a toujours des rébellions Mogu, on a toujours bien sûr le cycle mantite qui continue, des incursions du chat, et bien sûr aussi les attaques Sorok, notamment sur le sud du pays. Du continent même, ce pays c'est plutôt le continent ici. Donc il faut bien garder ça à l'esprit. Mais malgré tout, globalement, pas d'énormes conflits comme on a pu les décrire par le passé. Ce qui permet aussi par exemple, pourquoi pas, hein, dans le futur, avoir dans cette période des moments qui pourraient être retravaillés en détail par Blizzard. Ou par les scénaristes on va dire de Blizzard. Pourquoi pas dans l'univers étendu également. À côté de ça, donc, la plupart des Pandaren, comme on l'a dit, pensent que le monde est détruit. Mais il y a un Pandaren qui va oser justement se poser des questions, remettre en cause, on va dire, ce qu'on lui a appris, et qui se pose des questions et du coup qui veut tout simplement percer les brumes afin de voyager, afin de visiter le monde, voir si vraiment tout est détruit comme on lui a enseigné depuis qu'il est petit. Et c'est dans ce contexte que naît Liu Lang. Hein. Alors on a à peu près la date de naissance, enfin pas vraiment de naissance, mais on sait que c'est aux environs de 800 ans avant la Porte des Ténèbres, donc quasiment 1000 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres. Donc là on passe de 10 000 à moins 10 000 à moins 1000, donc voilà, il s'est quand même passé pas mal de choses, et vers moins 1000, eh bien on va avoir du coup Liu Lang qui va apparaître hein, tout simplement, et son histoire, eh bien c'est quelque chose d'assez intéressant, puisqu'il grandit dans une ferme de la vallée des 4 vents, donc l'ex-nord de Krasarang. Et justement c'est un héritier d'agriculteur, donc il est né dans le domaine rural hein, vraiment, et il est destiné tout simplement à devenir agriculteur comme sa famille avant lui. Sauf que ça c'est quelque chose qui, on va pas se mentir, qui l'emmerde profondément, qui l'emmerde copieusement, puisque Liu Lang en tant qu'héritier d'une famille agricole, d'agriculteurs et donc d'exploitation agricole, eh bien ça ne l'intéresse pas du tout. Ça ne l'intéresse pas du tout, il veut pas être cantonné à ça, il veut pas être bloqué là-dedans. La plupart des Pandaren sont un peu comme Balou, c'est-à-dire qu'ils se... Non mais en gros, la plupart des Pandaren sont heureux de reprendre l'héritage traditionnel de la famille, etc. Puis voilà, se faire un nom au sein de la Pandarie, mais globalement de toute façon l'esprit tranquille on va dire des Pandaren fait que... ils aspirent pas à des trucs, pas à des ambitions démesurées. Et du coup, Liu Lang là-dessus apparaît un petit peu comme un individu qui nage à contre-courant de la société, une sorte d'innovateur, puisque au final, il veut découvrir le monde, il veut voyager, sortir de son quotidien justement. Donc à un moment donné, il va... donc c'est pas quelque chose qui est né comme ça d'un coup, ah tiens je veux voyager, c'est quelque chose qui se fait sur... Potentiellement, ça a probablement commencé dès sa jeunesse, même si on le sait pas, et ça a probablement commencé dès sa jeunesse, ça a continué. Sauf qu'un jour, il va vraiment mettre le pied à l'étrier, et il va chercher un bateau. Sauf qu'en fait, la plupart des... Donc il se renseigne auprès des pêcheurs, notamment sur la côte sud, vers Krasarang et autres, mais il va se renseigner, et les pêcheurs vont lui rappeler que, en fait, c'est bien de prendre un bateau, mais tu pourras pas revenir. Si tu sors de la brume, tu n'arriveras jamais à retrouver ton chemin, et tu ne pourras pas revenir en Pandarie. Donc, faudra dire adieu à la Pandarie. Et Liu Lang, même si quelqu'un est très aventureux, très cavalier, qui veut bouger, qui veut voyager, son foyer c'est la Pandarie, donc il veut revenir en Pandarie. Donc il faut qu'il trouve un moyen pour pouvoir sortir de la Pandarie, mais revenir en Pandarie. Et du coup, en marchant le long de la côte sud de la Pandarie, à savoir la côte de Krasarang, eh bien... il assiste, on l'imagine sur une pérégrination, hein, marcher un petit peu le long du rivage, et à un moment donné en fait il assiste à un heureux événement, c'est tout simplement la naissance des tortues de mer, où en fait les tortues de mer, eh bien elles naissent, puis ensuite elles reviennent sur le rivage pondre. Donc en gros la tortue de mer vient sur son rivage, elle pond, les petites tortues naissent, la plupart ont du mal à atteindre l'océan, et ensuite... Et eh bien plus tard, quand elles seront plus vieilles, elles reviendront pondre sur la plage qui les a vues naître. Et ça lui donne une idée. Il se dit peut-être que justement je pourrais me servir d'une tortue pour pouvoir retrouver la Pandarie, puisque les tortues, elles, elles s'aventurent très loin dans des côtes, et au final elles arrivent à retrouver leur chemin en Pandarie. Donc peut-être profiter justement de la richesse et de la beauté de la nature pour pouvoir faire vaincre, j'ai envie de dire, les brumes de Pandarie. Alors on va pas se mentir, ça c'est aussi un écho à Jack Sparrow dans Le Pirate des Caraïbes. Vous savez la fameuse histoire où Jack Sparrow se serait échappé d'une île, il aurait été laissé abandonné par son équipage sur une île et il se serait accroché à une tortue pour repartir. Sauf que, donc en fait c'est un petit hommage à Pirates des Caraïbes. Sauf qu'en fait la différence avec, par exemple, parce qu'on pourrait me dire, mais attends, t'as pourtant pas mal critiqué ça sur d'autres vidéos, hein, je ne préciserai pas lesquelles. Là la différence c'est que certes c'est un clin d'œil, mais en fait il est tellement édulcoré au milieu de tout qu'on en perd presque le fil en fait, alors que c'est une ref. C'est une ref à Jack Sparrow. En plus Jack Sparrow n'a pas du tout fait ça d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, puisqu'il donne pas la vraie version, il la change tout le temps. Mais du coup là c'est un petit écho à ça. Il va se servir d'une tortue pour partir. Et on va le lier avec d'autres mythes, justement de différentes histoires, de différentes mythologies. Et du coup, eh bien, on va arriver en fait à justement Liu Lang qui va se lier d'amitié avec une tortue de mer, à savoir Shen Zin Su. Shen Zin Su, donc, qui est une tortue de mer. Alors, ce qui est un peu bizarre d'ailleurs, j'en reviendrai après, mais son apparence, on sent que Blizzard, c'est pas vraiment des biologistes. Ils adorent la nature, tout ça, mais ils regardent pas assez Discovery Channel ou les autres, parce que l'apparence de Shen Zin Su, elle change pas mal en fonction des, en fonction de tout, et certains pensent que c'est du coup des tortues alligators, etc. Alors que, bah au final, c'est une tortue de mer à la base. Donc il y a des petites variantes, on va dire, au niveau de son apparence. Ça change, elle change un petit peu tout le temps, puisque là par exemple la carapace, bah, c'est pas du tout la carapace d'une tortue de mer en fait, hein, ça c'est une carapace de tortue terrestre. Donc en fonction du support sur lequel on est, entre le jeu, les BD, les cartes même, hein, Hearthstone ou le TCG tout simplement, bah, c'est vrai que son apparence elle évolue pas mal, et même les concept art hein, l'ont pas mal fait bouger. Mais du coup c'est une tortue de mer, Liu Lang du coup eh bien, va vouloir acheter, maintenant qu'il a la tortue, maintenant qu'il a l'idée, hein, maintenant qu'il s'est lié d'amitié avec une tortue, eh bien il compte acheter justement tout le matériel qui va lui permettre de voyager. Et lors de l'achat de ce matériel, il va chez un marchand, et le marchand le convainc de façon tout simplement, en plus de tout l'achat de groupe qui a été fait, de tout simplement le convaincre de prendre un parapluie que le marchand lui offre. Et Liu Lang est quelqu'un même si voilà, il est très aventuré, etc., c'est quelqu'un qui connaît les plaisirs de la vie et qui reconnaît les gestes et les mains tendues vers lui. Du coup, eh bien, il est très très reconnaissant du geste du marchand, et il va du coup appeler la tortue en prenant le nom du marchand. Donc la tortue s'appelle Shen Zin Su, en hommage au marchand qui lui a offert un parapluie. Et ça c'est quelque chose d'important, parce qu'en fait on en a parlé, mais c'est vrai que comme c'est l'un des rares Pandaren à vouloir voir un petit peu au-delà des brumes et voyager, et bah c'est quelque chose qui le rend très particulier aux yeux des autres Pandaren. Par exemple le marchand lui vend le matos, mais c'est vrai que au final il y a ce geste, il lui donne le parapluie, enfin le parapluie, mais au final la plupart des Pandaren, comme je l'ai dit, ils aspirent pas à bouger énormément, et la plupart restent là où ils sont nés, etc., jusqu'à leur mort, et ils héritent, et leurs enfants héritent, etc. Du coup, on va pas se mentir, Liu Lang, il passe pour un grand fou en fait, il passe pour un taré, hein. Il passe pour un Pandaren bercé trop près du bambou. C'est quelque chose qui va complètement... c'est vraiment le foufou en fait. Et la plupart des Pandaren se disent, comme personne n'a encore bravé les brumes, la plupart se disent qu'il va mourir dans ces péripéties. Et du coup, et en plus, bon, à mon avis, la binousse, tout ça. Mais du coup, c'est vrai que Liu Lang, bah, il est assez moqué en fait par les autres Pandaren. Et au final, c'est vraiment ça, c'est l'idée que on le prend pour un illuminé qui cherche l'aventure et le danger au lieu d'une vie tranquille, ce à quoi n'importe quel Pandaren devrait aspirer en fait. Donc c'est vraiment, on le voit comme un gros alcoolique dément, comme un illuminé, comme un taré. Il n'y a rien à découvrir plutôt, tout a été détruit, donc pourquoi il s'embête à aller chercher tout ça? Et au final, eh ben c'était faux. Et quand Liu Lang revient justement en Pandarie 5 ans après son départ, sur le dos de Shen Zin Su, qui a pas mal grandi entre temps, on y reviendra après, eh bien il apporte avec lui de nombreux récits. Tous les 5 ans, il revient, donc il voyage, il repart, et il revient en Pandarie donc tous les 5 ans sur ce cycle, justement pour narrer un petit peu ce qu'il a découvert, les différents territoires, les différentes races qu'il a rencontrées lors de ses grands voyages. Et justement la tortue elle grandit, à chaque cycle elle est de plus en plus grande, et c'est vraiment anormal quoi, c'est pas n'importe quoi. Alors j'en profite pour le rappeler, mais ce n'est pas un Loa, Shen Zin Su, ce n'est pas à l'heure actuelle, c'est vrai que c'est... Peut-être qu'un jour ils feront le lien en disant que si c'est un Loa ou quoi que ce soit, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de précision plus que ça. Shen Zin Su, on sait que juste qu'elle grandit de manière anormale. La plupart des tortues ne devraient pas grandir comme ça. Et elle a grandi, a grandi, a grandi. Mais il n'y a pas pour le moment d'histoire de Loa ou d'histoire de divinité, non, c'est juste une tortue qui grandit de manière j'ai envie de dire infinie quoi. Elle continue de grandir, elle continue de grandir. Bon, pas infinie parce que ça s'arrête, mais sa croissance est énorme. Et au final, eh bien, tous les 5 ans, Liu Lang, lors de ses retours, il invite les autres Pandaren à qui il narre ses exploits et ses histoires à le rejoindre. Mais en fait, bah, tous les 5 ans, il y a son peuple qui se dit ah le fou est de retour, hop, hop, hop. Mais ils aiment bien entendre ses histoires, mais c'est tout. Genre non, non, on va pas le rejoindre, c'est n'importe quoi. Et justement, bah en fait comme la tortue grandit, Liu Lang il se dit bah je peux emmener du monde avec moi, donc hésitez, est-ce que vous voulez venir? Et en fait bah tous les 5 ans il se prend des refus. Jusqu'au jour où justement il y a une âme solitaire qui va le rejoindre, puisque c'est tout simplement Shinizi, donc une pandarène qui au son de ses exploits, eh bien, va tomber amoureuse de... Enfin, va devenir sa femme, hein, tout simplement. Donc, c'est l'une des rares pandarènes qui va vouloir s'aventurer par-delà les brumes. Et finalement, eh bien, ils vont se marier et ils vont avoir des enfants et autres. Donc, c'est vraiment la première personne qu'il arrive à convaincre et ça va être sa future femme. Et plus tard avec, encore une fois, le grossissement de Shen Zin Su, eh bien... on a Liu Lang qui va demander l'aval, il va demander la bénédiction à des moines... tout simplement pour pouvoir bénir la tortue hein, qui veut avoir la bénédiction des astres vénérables. Et justement bah, ces prêtres des astres vénérables vont accepter et ils seront les premiers véritablement habitants. Après bien sûr, après évidemment Shen Zin Su et... après Shen Zin Su, bah oui c'est la tortue, hein, mais après vraiment donc Liu Lang et Shinizi sa femme, eh bien... il va y avoir des moines qui vont arriver et qui vont tout simplement, d'ailleurs si je dis pas de bêtises je crois qu'ils sont 7, et ils vont tout simplement eh bien, être les premiers habitants à vivre sur le dos de la tortue, qui devient tellement grosse qu'il y a de la place pour installer une maison, etc. Et au final, hein, la tortue devient véritablement un pays à part, hein, entière. C'est la tortue grandit, 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 et du coup, bah, on commence à avoir au départ un jardin, on va dire. Ensuite, eh bien, ça grossit, une ville, un pays, etc. Et ça devient de plus en plus grand. Et au final, des temples à l'honneur des 4 astres vont être construits par justement les moines, hein, les prêtres des astres vénérables, et une colonie va commencer à être bâtie. Et un de ces colons qui va être l'un des premiers, hein, l'un des pionniers j'ai envie de dire du voyage sur la tortue, eh bien c'est Mab Stormstout, Mab brune d'orage, qu'on l'on voit tout simplement tout à gauche. Et Mab en fait elle a une histoire qui est assez triste, puisque bon, un peu coconne d'ailleurs, je sais pas si un jour on aura plus d'infos, mais c'est à la fois triste et con. C'est-à-dire que en fait elle a perdu toute sa famille, et elle avait plus que son mari, et son mari est mort lors d'un accident en fait, un accident assez bête, mais un accident où en fait c'est un accident agricole, donc ça arrive malheureusement, et en fait son mari est mort en tombant dans... En fait il est tombé en faisant des exercices pour pouvoir justement brasser sa bière, etc. Et bien il est tombé et il s'est tué sur le coup quoi. Et du coup sa femme l'adorait, Mab l'adorait, et c'est vrai qu'elle avait plus que son fils, à savoir Liao brune d'orage ou Liao Stormstout. Et c'est vrai que bah, comme elle avait plus aucun proche, mais elle avait quand même pas mal d'affluence dans le village, les brunes d'orage étaient plutôt connues, les Stormstout étaient assez connus par rapport à leur goût et leur capacité de maître brasseur. Et bien au final elle va s'exiler. Elle va rejoindre tout simplement le Liu Lang sur Shen Zin Su, donc sur la tortue, et être l'un des premiers colons à habiter maintenant ce qu'on va commencer à dire l'île, puisque la tortue est tellement gigantesque qu'on appelle ça l'île vagabonde, on va l'appeler comme ça. Et au final, eh bien, c'est ce qui explique pourquoi la lignée brune d'orage est présente en Pandarie, mais aussi présente sur ce qu'on va appeler l'île vagabonde, à savoir Shen Zin Su, la tortue géante. Et au final, eh bien, la lignée des brunes d'orage va s'installer tout simplement sur Shen Zin Su. Ce sera donc les premiers maîtres brasseurs de ce qu'on appelle l'île vagabonde, et ils seront les premiers d'une longue lignée que l'on connaît encore aujourd'hui, puisque l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand héros pandaren, est un Stormstout, un Chen Stormstout, un maître brasseur, et on y reviendra après. Et la notoriété, hein, voilà, encore une fois, des brunes d'orage convainc un petit peu la plupart des pandaren qui seraient peut-être un peu sceptiques aventureux mais qui ont encore des appréhensions à s'installer sur l'île. Donc il y a de plus en plus de familles qui vont tous les 5 ans rejoindre Liu Lang sur Shen Zin Su, sur la tortue, l'île vagabonde. Et au final, eh bien, Liu Lang va continuer son cycle d'aller-retour des 5 ans, comme d'habitude, sauf que il y a un moment donné où il vieillit, et on voit, regardez, la taille de Shen Zin Su est énorme. Et au final, eh bien, lors de son dernier voyage de retour vers la Pandarie, eh bien, il va s'éteindre dans son sommeil à l'âge de 122 ans. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est énorme pour un Pandaren, mais globalement, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc il s'éteint à 122 ans avec une vie extrêmement bien remplie, une vie de découverte, une vie de voyage et surtout une vie dans laquelle eh bien, il aura dépassé les limites tout simplement et les attentes de sa race, et il aura entamé le contact avec les autres races pour les Pandaren. Donc c'est vraiment un personnage extraordinaire au final, un personnage mythique, même s'il a vraiment existé, c'est un personnage mythique de l'histoire pandarienne, Liu Lang. Et ce qui est très important, c'est que c'est un fondateur en fait, c'est un fondateur. Alors attention, quand je dis fondateur, c'est il fonde véritablement un pays que devient l'île vagabonde. Le truc, c'est que il aurait voulu s'éteindre parce que son foyer, même s'il va être le pionnier, le fondateur d'un nouveau pays, c'est vrai que à la base, lui, son cœur est en Pandarie. Faut pas oublier qu'il est né en Pandarie et que son cœur est toujours en Pandarie. C'est un grand voyageur, mais il veut revenir en Pandarie. Et le truc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que malgré lui, va naître une nouvelle faction, un nouveau pays. Et il voulait mourir en Pandarie, il voulait s'éteindre en Pandarie, mais il s'éteint lors du voyage de retour. Et ça, il y avait un lien qui était extrêmement prononcé entre le Pandaren, le grand aventurier, et la tortue Shen Zin Su. Et à sa mort, eh bien, Shen Zin Su va être bouleversé. La tortue ne va jamais revenir en Pandarie. Elle cessera son activité, son cycle de tous les 5 ans. Au lieu de ça, elle va vagabonder dans les mers du sud et sur le globe, tout simplement, mais principalement dans l'hémisphère sud, j'ai envie de dire. Et elle va voyager, mais ne jamais revenir en Pandarie, parce que ça lui rappelle son grand ami, ça lui rappelle Liu Lang. Et Liu Lang, du coup, eh bien, va faire naître, en fait, malgré lui, un nouveau pays qui sera très éloigné de la Pandarie, à savoir l'île vagabonde. Et au final, Liu Lang est aujourd'hui célébré comme le grand explorateur, comme un grand héros, un voyageur qui cassa les clichés et mine de rien, il casse aussi ce mythe et cette volonté isolationniste qu'avait lancé un petit peu Shaohao en parcourant le monde justement et en prenant justement l'ouverture, pas la fermeture, mais prenant l'ouverture justement vers le monde. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est le premier maître de l'île vagabonde, donc de la tortue, à s'éteindre. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? En fait, ce qui est assez symbolique, mais quand Liu Lang meurt, on va planter un arbre en fait derrière lui qui va symboliser justement, en fait, en gros, on l'enterre et derrière, eh bien, il y a un arbre qui va pousser en l'honneur du maître, et cet arbre va grandir, 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 et ça va devenir une tradition. C'est qu'en fait, tous les grands maîtres de l'île vont avoir un endroit qui est la forêt de bâton en fait, où on pose le bâton du voyageur, le maître meurt et à son décès, eh bien, un arbre va être planté tout simplement, et il va ensuite grandir pour rappeler, c'est un petit peu l'hommage superbe pour chaque maître, ce qui fait qu'on a carrément la forêt de bâton avec le bâton du maître, l'arbre derrière lui et sa tombe qui est juste devant. Et ça, c'est quelque chose d'assez beau et assez symbolique, avec un véritable endroit de l'île vagabonde qui est justement un petit peu toujours se rappeler, toujours se commémorer, on va dire, le travail d'aventurier, le travail de recherche, le travail de mémoire qu'ont les Pandaren de l'île vagabonde. Et ça, c'est quelque chose d'assez important parce que comme Shen Zin Su ne revient jamais sur l'île vagabonde, ne revient jamais, pardon, parce que c'est l'île vagabonde, ne revient jamais en Pandarie, eh bien il va y avoir véritablement une séparation entre les Pandaren de Pandarie et les Pandaren, les enfants, les colons, etc. de l'île vagabonde. Ce qui fait qu'il va y avoir même un oubli en fait, petit à petit, il va y avoir un oubli de la Pandarie. On sait qu'il y a une terre ancestrale qui est là-bas, etc. Mais on sait pas, enfin, ils savent pas y aller puisque sans la tortue ils peuvent pas revenir. Donc, et la tortue, bah, elle revient pas. Donc ils savent pas où est la Pandarie en fait, ils ont perdu la Pandarie. Et c'est pas grave, eux ils ont leur propre manière de vivre, leur propre valeur tout simplement, leur propre culture. Et de nombreux maîtres vont succéder à Liu Lang et prôner justement les valeurs de Liu Lang. Prôner l'enseignement aux nouvelles générations, prôner la recherche, la découverte. Et ça, c'est ce qui fait que les nouvelles générations de l'Île Vagabonde ont vraiment cet esprit aventurier, cet esprit d'aventure, de volonté, de recherche. Et ça, c'est quelque chose qui marque vraiment la grande séparation entre les Pandaren de l'Île Vagabonde et les Pandaren de Pandarie, puisque les Pandaren de l'Île Vagabonde s'éloignent très profondément de la psyché de la Pandarie, prenant l'expérience, la coupure, prenant l'expérience encore une fois et la recherche, l'aventure, contrairement aux Pandaren de Pandarie qui sont très... on bouge pas, on est tranquille, pas de problème. Surtout qu'en plus, bah, l'Île Vagabonde n'est pas marquée par les chats aussi. Donc, alors ça veut pas dire que les Pandaren, hein, ils ont hérité de cette manière, et les moines aussi sont là, donc ils ont hérité de ce devoir de se maîtriser, de se contrôler. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu plus... foufou, j'allais dire, un peu plus... Ils ont beaucoup plus d'aspiration que des Pandaren de Pandarie. Et il y a vraiment cette coupure qui est marquée entre l'Île Vagabonde et Pandarie, d'un point de vue géographique, encore une fois, puisqu'ils ne peuvent pas revenir en Pandarie, mais surtout une grosse coupure au niveau culturel, parce que bah, c'est malgré lui, encore une fois... Enfin, Liu Lang voulait ouvrir cet esprit d'aventure à tout le monde, mais il n'avait pas prévu de faire un nouveau pays. Mais au final, ce nouveau pays va avoir vraiment... Même si bien sûr les deux sont des Pandaren, on a vraiment une manière de penser et de voir les choses complètement différentes. Surtout, j'y reviendrai après, mais il y a aussi des cassures entre les deux peuples. Et du coup, les Pandaren de l'Île Vagabonde seront nombreux, très nombreux du coup, à voyager sur Azeroth, et ouvriront même des comptoirs un peu partout pour pouvoir commercer avec les autres races et avoir, on va dire, une empreinte et pouvoir rester un petit peu en contact avec tout le monde. Et d'ailleurs, à la base, les comptoirs étaient présents dans le jeu de rôle de World of Warcraft. Petit à petit, enfin dans Warcraft d'ailleurs, avant même World of Warcraft, ensuite ça sera encore plus développé avec le jeu de rôle World of Warcraft, et il faut attendre, eh bien tout simplement, BFA, Battle for Azeroth, pour voir justement l'existence de ces comptoirs Pandaren qui sont présents à Drusvar et également à Boralus. Donc on a ces ports de commerce, mais ça existe depuis le début de World of Warcraft en fait, hein. Même avant World of Warcraft, quand c'était encore Warcraft, il y avait déjà l'existence de comptoirs. Alors historiquement c'est vraiment... Chen Stormstout, hein, Chen Brune d'Orage, qui va vraiment voyager, c'est le grand aventurier, l'héritier de Liu Lang dans la manière de faire. Mais ensuite, eh bien, plein de comptoirs vont être organisés, hein. Le comptoir, c'est simplement vraiment un port de commerce. Les Pandaren vont s'établir là, refaire du voyage entre l'Île Vagabonde et l'Île Vagabonde tout simplement et les différents comptoirs pour pouvoir justement exporter et importer des matières premières, tout ce dont ils ont besoin. Donc ça c'est quelque chose d'assez important, mais c'est vrai que dans World of Warcraft, bah, on n'a pas cette notion, et la plupart des gens, bah, les comptoirs vous les voyez pas, parce que bah, malheureusement à l'époque il n'y avait pas encore les assets Pandaren, les Pandaren n'étaient pas encore présents en jeu, donc forcément il n'y a pas les modèles, etc. Mais dans l'histoire de Warcraft ça existe depuis très longtemps, et je parle pas d'une histoire qui est a posteriori, hein. Je parle qu'avant même World of Warcraft, les comptoirs Pandaren existaient déjà. C'est juste qu'ils n'ont jamais été représentés en jeu. Et au final, il a fallu attendre Battle for Azeroth pour avoir justement l'existence de ces comptoirs Pandaren, qui du coup sont canonisés, puisque le jeu de rôle a été décanonisé, mais au final les comptoirs, eux, sont canonisés, comme on le voit, à Battle for Azeroth. C'est d'ailleurs, on parlait de Chen, enfin, il est là, c'est lui, puisque on va croiser du coup des Pandaren dans l'histoire de Warcraft, et notamment le plus connu de tous les Pandaren, hein, c'est tout simplement Chen Stormstout, j'en ai déjà suffisamment parlé, c'est... Lors de la fondation de Durotar, j'ai fait une vidéo sur la fondation de Durotar que je vous invite très fortement à aller voir. Dès Warcraft 3 Frozen Throne, dans la campagne Orc de Frozen Throne, eh bien on découvrait pour la première fois dans Warcraft, dans la licence Warcraft, un Pandaren, et pas n'importe lequel, Shen Stormstout, le premier, et qui deviendra le plus connu des Pandaren, hein. Il est présent dans Heroes of the Storm, dans Warcraft, dans Hearthstone, etc. Et au final, eh bien Shen va justement aider à la construction de la Horde. Il va œuvrer à la fondation de Durotar, et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'il y a un retcon concernant Shen, puisque Pandarie, et au final, eh bien c'est retcon avec Mists of Pandaria. Alors c'est à la fois retcon et pas retcon, c'est à dire que c'est vrai, techniquement il ment pas, il est de Pandarie, c'est juste que sa famille vient de Pandarie, et il est un héritier des Pandaren de Pandarie. Mais au final, lui-même n'est pas né en Pandarie et n'est pas de Pandarie, il est de l'Île Vagabonde. Mais les Pandaren viennent de Pandarie à la base. Donc en soi, il ment pas, mais c'est une manière détournée de dire les choses. C'est un retcon quand même, même si c'est pas quelque chose de dérangeant. Hein. On ajoute plus de profondeur et plus de détails. Et au final, eh bien, il va retrouver son chez-soi plus tard, de toute façon dans sa propre histoire. Peut-être qu'un jour, je ferai une histoire vraiment spécifique à Shen, mais c'est pas prévu pour le moment. Mais donc, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un petit retcon, mais malgré tout, c'est même pas un vrai retcon rupture, parce qu'en soi, c'est pas faux ce qu'il dit. C'est juste que c'est un peu plus subtil et un peu plus compliqué que ça. Il y a un peu plus à dire. Et au final, sur l'Île Vagabonde, il y a deux grands courants de pensée qui existent. A savoir que la plupart des habitants de toute façon sont tous des aventuriers, puisqu'ils ont suivi, Liu Lang, et ils ont grandi avec les valeurs de Liu Lang. Donc il y a vraiment, faut pas oublier que ce sont déjà de base des Pandaren beaucoup plus impétueux, beaucoup plus foufou que les Pandaren de Pandarie. Je préfère le redire. Mais même chez les Pandaren de l'île Vagabonde, il y a deux courants de pensée. Il y a ceux qui sont vraiment, qui embrassent à fond cette voie, la voie on va dire de la découverte, de l'aventure, que sont les Yojin, qui veut dire feu métal d'ailleurs, hein, feu et métal. Donc qui sont les défenseurs justement qui prônent l'action, puisque l'inaction serait contraire au principe même de Liu Lang, et l'inaction amènerait justement en fait à cette baisse de régime et à une stagnation un petit peu du peuple. Donc la flexibilité et le devoir sont les maîtres mots des Yojin. Et encore une fois, il y a un autre point, c'est la fin justifie les moyens également pour eux. Et leur chef, c'est tout simplement Ji Firepaw ou Ji Patte de Feu, qui est méga badass, hein. Il est très très stylé sur cette image. Malheureusement en jeu, ce n'est pas vraiment l'apparence qu'il a, hein. Je le trouve très pitoyable en jeu alors que cet art, il est impressionnant. En plus, on aimerait l'avoir comme ça, avec une tenue pareille dans le jeu, mais clairement, Ji Firepaw, Ji Patte de Feu, sur le papier chef des Yojin est plutôt, plutôt aventureux, hein, vraiment assez bourrin. À côté de ça, on a l'autre courant de pensée qui est l'aventure, certes. Donc attention encore une fois, il y a vraiment un piège, et même Blizzard est tombé dans ce piège en comparant l'autre courant, à savoir les Tushui, qui veut dire terre et eau, ou eau et terre d'ailleurs, je sais plus, mais c'est terre et eau en gros quoi. Les Tushui qui à l'inverse eux prônent la rigueur, la réflexion et la méditation. Mais Blizzard eux-mêmes, je vais en revenir, se trompent un petit peu là-dessus, puisque en fait les Yojin sont des aventuriers aussi. Sont des aventuriers, sont des foufous aussi. Selon le critère Pandaren de Pandarie, les Tushui sont aussi des foufous. C'est juste qu'eux ils sont plus sur un juste milieu, c'est des aventuriers certes, qui veulent de l'action, du bouger, etc., du mouvement. Mais malgré tout, ça veut pas dire qu'il faut tomber dans la témérité. Ils veulent rester, certes, maîtres de leurs actions, prendre un peu de recul malgré tout. Donc il y a vraiment ces trois courants de pensée en fait. Il y en a deux sur l'île Vagabonde, et ensuite il y a le courant de pensée Pandaren, de Pandarie. Donc on a les Tushui qui sont la jeunesse. En plus c'est intéressant parce que c'est un peu les deux visages de Liu Lang. On a d'un côté les Yojin qui représentent beaucoup plus Liu Lang dans sa jeunesse, à savoir l'aventure, 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 la découverte, le voyage, pas la folie, mais la folie, malgré tout si, ouais, la folie de l'aventure. Pas non plus complètement taré, mais la folie de l'aventure, ce besoin de bouger quoi. Et de l'autre côté, les Tushui représentent beaucoup plus la sagesse on va dire de Liu Lang. L'aventure certes, mais canalisée, contrôlée. Donc ça c'est assez intéressant, plus la maturité Liu Lang on va dire. Et c'est l'équilibre parfait entre, voilà encore une fois, les Yojin d'un côté, et surtout les Pandaren de Pandarie qui eux sont pas d'aventure, que dalle, rien du tout. Donc c'est vraiment le juste milieu les Tushui je dirais. Et on a derrière leur chef qui est tout simplement, que vous voyez ici, ça a été, c'est un fan art, c'est pas un vrai artwork contrairement à Ji, malheureusement il n'y a pas de très, il y a pas d'artwork, enfin il y a un artwork officiel mais qui est pas terrible, et il n'y a pas vraiment d'artwork de Aysa, mais c'est Aysa Kluthinger, à savoir Aysa poète des nuages, et Aysa du coup qui est la chef des Tushui. Et en tant que joueur, eh bien tout simplement, en tant que joueur nous n'incarnons pas des Pandaren de Pandarie. En tant que joueurs, nous incarnons des Pandaren de l'île Vagabonde, à savoir des Pandaren qui ont grandi sur qui sont tout simplement les héritiers de Liu Lang et de ses voyageurs. Donc au final, nous sommes des colons Pandaren. En tant que joueur Pandaren, vous n'êtes pas des Pandaren de Pandarie. Vous pouvez vous-même dire dans votre RP que vous êtes des Pandaren de Pandarie. Ce serait un peu dommage, parce que bah, les Pandaren de Pandarie, c'est pas... Ils n'ont pas la même manière de faire les choses, ils sont extrêmement conservateurs, ils restent dans leur coin, etc. Et au final, ce qui est assez d'ailleurs intéressant, c'est que on pourrait dire les Pandaren, je sais que souvent dans les idées reçues qu'on se dit, c'est les Pandaren, ils sont tout mignons, tout gentils, blablabla, etc. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les Pandaren de l'île Vagabonde, avec Mists of Pandaria, avec World of Warcraft, eh bien les Pandaren de l'île Vagabonde vont redécouvrir tout simplement la Pandarie. Et en fait... Quand vous commencez Pandaren, en fait, vous êtes à la fin de Cataclysme, en fait. Vous êtes à la période de Cataclysme, où la guerre Horde-Alliance est en plein bouleversement, mais c'est avant la découverte de la Pandarie. Et ce qui est intéressant, c'est surtout que les Pandaren de l'île Vagabonde vont être victimes de gros racisme, vont être victimes de xénophobie et de racisme à l'égard des continentaux, des Pandaren continentaux, donc des Pandaren de Pandarie, qui les voient comme des sauvages, qui les voient comme des encore une fois, un petit peu comme Liu Lang avait été traité, comme des illuminés, comme des tarés, et surtout comme des personnes qui amènent les problèmes en fait. C'est des personnes qui amènent les problèmes pour eux. Donc, et c'est très visible dans un bouquin que je vais analyser bientôt, c'est Les ombres de la Horde, qui est un livre de Mists of Pandaria. Et même en jeu on le voit, hein. Même en jeu on voit, il y a des petites réflexions qui sont faites à Shen, etc. à certains moments. Mais c'est encore plus visible dans l'univers étendu, notamment la perle de Pandarie et tout simplement les ombres de la Horde. Et dans les ombres de la Horde, il y a carrément un moment où Lily, elle se fait alpaguer par les jeunes de son âge de Pandarie qui la traitent de sauvage. Enfin, pour le coup c'est vraiment violent quoi. Et il y a un moment donné où Shen il est à deux doigts de leur, il est à deux doigts de leur exploser la gueule parce que justement non on touche pas à sa nièce quoi. Donc, et surtout pas comme ça. Donc il y a Shen qui est vraiment victime de racisme. Alors c'est pas un racisme en mode on va tous les brûler, on va tous les détruire, c'est pas non plus le Ku Klux Klan de Pandarie, mais c'est quand même du racisme en fait. C'est cette intolérance, ces clichés, des paroles qui sont extrêmement dures, ça reste du racisme en fait. Et du coup c'est vrai que on l'oublie et la plupart du temps faut s'y intéresser pour le savoir, mais il est vraiment présent. Et dans les ombres de l'Horde il est assez violent hein, pour le coup le racisme entre Pandaren. Donc encore une fois entre les continentaux et les habitants de l'île Vagabonde et du coup aussi ceux qui sont sur les comptoirs, donc en gros tous ceux qui sont en dehors de la Pandarie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais ils sont vraiment pris pour des sauvages. Donc il y a vraiment un racisme. Et au final ces deux groupes, donc les Yojin et les Tushui, vont tout simplement représenter en fait quasiment la majorité, même plus que la majorité, hein, la très très grande part de population de Pandaren de l'île Vagabonde. Et leur divergence de pensée n'a jamais vraiment causé de soucis, il n'y a pas eu de confrontation entre les deux courants de pensée, jusqu'à l'arrivée bien sûr de la Horde et de l'Alliance hein, qui débarquent fin Cataclysme et qui vont imposer un choix aux Pandaren de l'île Vagabonde. Et les Pandaren de l'île Vagabonde, il va y avoir trois systèmes, c'est-à-dire qu'il va y avoir ceux qui vont rester sur l'île Vagabonde et qui vont rester neutres, mais qui ne sont pas des Pandaren de Pandarie. Et ensuite, les Tushui et Yojin qui vont eux véritablement... Alors, ça ne veut pas dire que tous les Tushui et tous les Yojin rejoignent la Horde et l'Alliance. Hein. Il y a des Yojin et des Tushui qui restent sur l'île Vagabonde. C'est juste que il va y avoir vraiment deux engagements dans l'armée de la Horde et de l'Alliance. La Horde, enfin je vais commencer dans l'ordre. Donc à gauche on a Aysa Kluthinger, donc Aysa poète des nuages je crois en français, qui va tout simplement rejoindre avec les Tushui, avec son groupe de Tushui, l'Alliance, comme vous le voyez avec le lion. Et enfin Ji Battefeu, donc Ji Firepaw, qui va rejoindre la Horde. Hein, chacun c'est vrai représente à des valeurs qui se représentent, qui se reflètent mieux je dirais dans les deux factions. Mais après il faut pas oublier par exemple dans Shadow Rising, donc dans l'armée des ombres en français, qui est la transition entre Battle for Azeroth et Shadowlands, Ji a un rôle certes mineur, mais un rôle quand même présent, et ça fait du bien parce que Ji il est pas très utilisé côté Horde malheureusement. Ji, et Ji au final, souvent en plus il est un peu moqué etc, Ji a un rôle véritablement intéressant j'ai trouvé dans ce livre, puisque il est vraiment le diplomate, l'ambassadeur. Les deux de toute façon ont des rôles de diplomate parce que voilà, ils ont cette manière aussi d'extérioriser, d'intérioriser plutôt, et de prendre du recul. Même pour un Yojin en fait, même pour un Yojin il semble être sage vis-à-vis de d'autres membres de la Horde, je dirais Ji. Donc les deux vont avoir leur manière de faire, et les deux ont un rôle d'ambassadeur dans leur faction, ce qui leur correspond très très bien. Mais au final Ji a un rôle vraiment très intéressant dans le livre Shadow Rising, donc c'est plutôt cool. Là où c'est vrai que Aysa malheureusement a pas été trop développée, Aysa a été bien plus développée à Mists of Pandaria, mais encore pas énormément. Mais c'est vrai ces deux personnages là malheureusement n'ont pas eu énormément de développement par la suite. On va en reparler dans Mists of Pandaria bien sûr, parce que là c'est la transition parfaite. Là on commence à toucher le bout hein, vers la vidéo sur Mists of Pandaria. Mais c'est vrai que dans le traitement des Pandaren a posteriori, il y a eu un petit peu de traitement. Mais c'est vrai que le problème de cette faction neutre que sont les Pandaren, où vous pouvez soit jouer Horde soit jouer Alliance, ça fait que malheureusement si t'en développes un, tu dois développer l'autre, et c'est très compliqué de couper la poire en deux etc. à chaque fois. Donc c'est vrai que les Pandaren ont été un peu mis de côté. Il y a du développement, mais pas énormément en fait, et beaucoup moins que ce que l'on pourrait attendre. Donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là, et c'est peut-être ils avaient testé un nouveau système avec les races alliées, c'est pas pour rien qu'ils les races neutres pardon, et c'est pas pour rien qu'ils ne le font plus, parce que je pense qu'il y a beaucoup de contraintes d'un point de vue gameplay, d'un point de vue game design, mais aussi d'un point de vue lore. Très compliqué de développer plus l'un, sinon les autres gueuleraient. Donc tu restes sur un statu quo un peu qui te tire vers le bas. Donc c'est un petit peu particulier. En tout cas, on en reparlera davantage dans la vidéo sur Mists of Pandaria, mais j'espère que vous, maintenant, vous comprenez un petit peu mieux comment, quelle est l'histoire des Pandariennes jouables, l'histoire des Pandariennes que vous jouez, à savoir les Pandariennes de l'île Vagabonde. Merci à tous, n'hésitez pas à me donner vos impressions, n'hésitez pas à... Si vous avez des questions, des interrogations ou des observations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Juste avant Mists of Pandaria, il reste la vidéo sur Terra Mort. Et bah ça y est, on y est. Vidéo sur Terra Mort et on y sera, hein, on pourra lancer Mists of Pandaria. Donc voilà, ça fait un travail de plus d'un an qui va s'achever bientôt. J'espère en tout cas que toutes ces vidéos d'annexe sur Mists of Pandaria vous plaisent. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus en Pandarie, ou sur les Vagabondes, ou ailleurs, sur les comptoirs Pandaren. Ce serait cool d'en revoir des comptoirs Pandaren. Ouais. Et d'ailleurs, vous le savez, eh bien il n'y a pas de comptoir Pandaren à Zandalar. On pourrait dire bah c'est un problème. Eh bien non, parce que avec le passif Zandalar, Zandalari et Pandaren, eh bien du coup, il n'y a pas de port Pandaren à Zuldazar. Ce qui est plutôt bien vu. Alors que du coup, il y a des Mogu, il y a des Ozen, il y a des Jinyu, mais pas de Pandaren. Et ça, extrêmement respectueux de l'histoire. N'oubliez pas de liker, tout ça, plein de bisous.